Salut, je joue contre Marantz 9. Ah, défense moderne. Dans ce cas, je joue 4. Et après, que je me souvienne, cavalier C3, F3, fou E3. Dame D2, grand roque, H4, H5. Idéalement. Et ça, c'est un système que j'adore et qui est pas trop possible quand les gens ils jouent cavalier F6 d'abord, puisque dans ce cas-là, je joue C4 quand ils font une leste indienne. Après, il y a plein d'autres choses que je peux faire dans leste indienne, c'est pas non plus le problème. Alors, est-ce que je jouerais cavalier E2 pour reprendre du cavalier? Ou alors D5. D5, D5, ça me semble bizarre. Peut-être D5, ouais. Donc là, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à une est indienne. On va faire le grand roque. Après, on espère arriver plus vite que lui. Ce qui est bien, c'est que j'ai ça. Donc là, je pense que ça devrait être bien de reprendre du cavalier, a priori. S'il veut échanger. Ok, mais il perd un défenseur du roi. Va peut-être échanger là, alors. Alors, s'il prend là, le fou est capturé, donc je pense qu'il va pas oser. Et maintenant, ah, je peux pas jouer H4. Il va le prendre. Et ben, on va jouer G4. Si je fous H6, il va venir là. Fait pas grand chose tant que je joue pas H4. Donc du coup, j'aurais peut-être pas dû jouer ça avec le cavalier. C'est étonnant qu'il aille en E7. Alors moi, on va voir qui arrive le premier, hein. Lui il va arriver assez vite aussi. Je pense qu'il devrait avancer ses pions. S'il attaque que avec des pièces, ça va sans doute pas suffire. Faut pas que j'oublie que j'ai pas encore joué roi B1. Donc c'est-à-dire que je suis en face de cette colonne ouverte. Comme s'il joue ça, il peut jouer ça après. Peut-être que ça avance, c'est bien aussi, je sais pas. Ça. Donc là, il faut que je vienne là. Si je pourrais reprendre avec la tour. Allons-y. Mais c'est un peu dommage d'avoir dû jouer G4 parce que G4, G5 parce que ça bloque mon fou. Alors maintenant, dame H2. Menace dame prend H7. Donc il va jouer ça.
Il faut que j'ouvre encore plus. Ouais, mais ça marche pas. Déjà, ça perd ce pion. Sais pas trop comment continuer mon attaque. Comme faire damage 2, on va voir. Faudrait que le cali arrive là. Alors il peut échanger s'il a peur. Ça commence à... C'est moi qui commence à avoir peur pour tout vous dire. Mon cavalier, il est trop lent. Bon, si ça se trouve, même un coup comme ça, c'est peut-être bon pour lui. Parce qu'après, il menace ça. Ça. Ouais, c'est l'échange en D5, c'est là que j'ai pas trop su comment faire. Bon, si je fais ça, il va peut-être sacrifier. Boum, boum. Ouh. Toute façon, j'ai pas beaucoup d'autres choix. Ou alors il joue ça pour sacrifier avec le fou. Non, il sacrifie tout de suite. Prends, il menace de venir là, mat. Non, c'est pas mat parce que je pourrais aller là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon? Est-ce que j'ai beaucoup d'autres coups candidats? Pour l'instant, il menace ça. Donc là pour l'instant il peut pas tout de suite continuer son attaque parce que je peux essayer de m'enfuir pour l'instant. Alors ça me laisse. Je peux même essayer de jouer ça. Non, j'ai le temps d'attaquer un peu de mon côté quand même. Je pense. Si je joue ça. Il peut me bloquer sur la colonne A. Donc je préférerais garder cette case pour mon roi. Ah non, attendez. Parce qu'il peut faire échec comme ça. Donc là, c'est mort. Parce que je suis obligé de venir là et après il y a échec à la découverte. Il faut que j'attaque la dame.
Ouais, même. Chacun a découverte et après il prend la tour. Donc je me fais peut-être pas mater tout de suite, mais je perds une tour. Je vais peut-être jouer ça. Ou alors je me fais mater tout de suite. Je vais plus prendre la dame comme j'avais prévu. Ouh. Ah, bien joué. Donc je me suis fait exploser. Après c'est le risque quand on fait un grand roque et qu'on balance tout pour l'attaque. Mais alors qu'est-ce que j'ai mal fait? Jusqu'ici je suis sûr de mon coup. Dame D2, E5. Donc là oui c'était bien cavalier GE2 pour pouvoir reprendre avec ce cavalier. Bah D5 ça a l'air d'exister aussi. Plus 0,5. C6. Grand roque. Prend avec le cavalier. Il y a des grands maîtres qui ont déjà joué ça exactement. Ah, fou C4. Alors, il est bien fou C4. Mais tous les grands maîtres ont pris là. Après, il faut prendre avec la dame. Ouais, j'ai pas envie de changer de plan. Mais bon, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Et si je sais, je peux pas prendre le pion là, le pion là. Donc là, les noirs sacrifient un pion pour l'attaque, en gros. Bref, en tout cas, il a joué le fou. Là, j'aurais jamais pensé à jouer ça parce que ça cloue mon cavalier. Mais comme je menace de prendre avec échec, c'est peut-être ok. Donc en tout cas, j'ai joué ça, qui est pas mauvais. Pas le meilleur coup, mais c'est loin d'être mauvais apparemment. Et H4, boum. Alors là, déjà, j'ai pas osé. Je me suis dit que je pouvais plus jouer H4. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, il y a une capture de la dame. J'en 6 prends et je prends avec la tour. Non, c'est ça. Je prends pas avec la tour. S'il prend, bah s'il prend avec la tour, il prend avec, il revient avec la dame et pas échec. J'attaque la dame. Bah, elle a encore quelques cases quand même. Pourquoi il peut pas prendre? D'accord, donc je joue juste en mode sacrifice de pion. Ensuite, j'imagine que je chasse son fou et que ça m'a ouvert la colonne, donc je suis super content. Si madame pouvait aller là direct. Ok, ou alors ça, ah ouais, ça pour jouer G3 alors. Pas du tout. Du mal à comprendre les coups de l'ordi. Plus 1. J'ai un pion de retard. H5. Et puis après on essaye de faire tout péter et on rend le pion. Ouais, c'était plus le genre de truc que j'aurais voulu jouer. Bon, ouais. J'ai pas pensé à sacrifier le pion H comme ça. Et après, bah, je pense que j'étais beaucoup moins bien. Ouais, plus 0,6 quand même, plus 0,2. L'ordinateur hésite. J'ai pris le risque de pas jouer roi bien tout de suite. Ah, ça, il pouvait le faire alors. Ouais, j'ai peut-être pas le temps de le. D'embêter le fou. On peut même sacrifier son fou. Ouais, y a tout qui arrive là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. H4. Alors, qu'est-ce que ça change ici? Je vais jouer roi B1 plutôt. Mettons, il fait exactement la même chose, le même plan. Attendez, c'est pas exactement la même position que ce qu'on a eu, mais avec les coups inversés. Ah, bah si.
J'étais à plus 2 là? Ah oui. Oh bien, plus 2. Donc j'ai... C'est marrant, je pensais... J'aurais cru que j'avais merdé avant. Parce que là, je voyais pas du tout mon attaque en fait. Là, tout allait bien. Donc fallait mettre... Fallait jouer damage 2 avant. Avant de prendre. Ah! Ah, c'est subtil, d'accord. C'est vachement cool. Waouh! Donc finalement, tout mon plan était bon. Mais là, j'ai pas vu mieux que dans cet ordre-là. Prends damage 2. Pardon. Prends damage 2, tour F7 qui défend. Mais en fait, si madame est déjà en H2 avant que je prenne, il a pas le temps de faire F prend G6 et tour F7. S'il fait F prend G6, il y a mat. Donc, on joue d'abord damage 2. Et la menace, cette menace-là devient beaucoup plus puissante. Je vais damage 2 avant de prendre. C'est cool ça comme combinaison. C'est juste changer l'ordre des coups pour arriver en fait plus vite. Donc comment il peut parer la menace? Est-ce que prendre ce pion marche? Et là j'aurais sûrement pas joué. Fou E2. Cavalier E2, pardon. Mais je comprends l'idée. Je récupère H6 et je suis super content. Ok. Il est obligé de défendre là pendant tout ce temps. C'est surtout ça. Est-ce qu'il ne peut pas jouer F5 pour que libérer case F7 pour la tour? Ah bah non, il ne peut pas puisque mon pion contrôle F7. Ok, intéressant. Pareil, on va essayer de retenir ces motifs tactiques. Et donc après, alors là j'ai en gros j'ai plus d'attaque. Après ça, damage 2, ça servait à rien mais je savais pas quoi faire d'autre. Alors Dieu aurait préféré que je défende, c'est triste, sniff. Et là, apparemment, je pouvais encore m'en sortir, même après le sacrifice. Même après ça. Hein ? Madame défend. Là, j'ai mal calculé, puisque j'ai cru que là, j'attaquais sa dame, et donc que c'était bon, il pouvait pas faire d'échec à la découverte. Après le fou, mais en fait le fou bloque mon attaque de la dame. Donc j'ai cru que ça défendait. Mais ouais, ça c'est vachement mieux puisque ça défend aussi. Ça défend le pion en C2. Et en plus ça attaque. Et là l'ordi n'a pas mieux qu'une perpétuelle pour les noirs. Et la différence, bien sûr, c'est que là, il ne peut plus me faire mat. Donc, j'étais vachement pessimiste. Hein. En fait, même là, j'avais encore une nulle. Plus 6. Oui. C'est pas ce qu'on a fait. Je reviens en arrière. Est-ce qu'il pouvait tenter d'autres, alors? Mettons, il fait ça. Il peut s'amuser à faire quelques échecs, mais mon roi va se retrouver je sais pas où, à l'abri, on espère. Du coup, il aurait sûrement joué ça un moment pour m'empêcher d'aller en H6. Et après...
Après, je me laisse de jouer tour F1, qui élimine le défenseur. C'est peut-être pour ça qu'il est dans la merde. J'ai pas envie de jouer ça, moi. Il peut échanger les dames. Et quoi, je suis à plus 5. Ah oui, c'est vrai qu'il avait sacrifié une tour. Pas oublié qu'il avait sacrifié une tour. Donc évidemment, je suis à plus 2, bah oui. Ok, bah c'était quand même une belle partie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.